la rentrée. Les vacances sont terminées. En voici la preuve. Tout en images. Ça y est, c'est la rentrée. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Ouais, c'est la rentrée. Et la rentrée, les enfants le savent bien, c'est aussi la rentrée de l'école bienheureux Marcel Callot. Et n'oublions pas la messe de rentrée avec la bénédiction des cartables et des acteurs pastoraux. Oui, mon cher Raphaël, à nouveau, la preuve en images. Mais une paroisse qui vit, c'est surtout une paroisse qui prie. Donc des propositions spirituelles pour la paroisse et pour les paroissiens. Avec la rencontre des hommes adorateurs tous les premiers jeudis du mois. Effectivement. Frightful, but the fire is so delightful. Et tous les deuxièmes mercredis du mois, la rencontre des femmes adoratrices. Mais surtout, n'oublions pas les troisièmes vendredis du mois, les soirées de louanges. Mais également une information très importante pour les gens qui veulent se préparer au sacrement du mariage, au sacrement du baptême. Effectivement, nous avons toutes ces préparations qui se font à la paroisse. Mais oh, je crois qu'on vient d'avoir une information, je crois qu'on a notre curé qui a quelque chose d'important à nous dire, on le passe à l'antenne. Effectivement, effectivement, je crois qu'il est bien là. On vous le passe en à direct, l'antenne, en direct. Bonjour à tous, avec toutes ces activités que la paroisse du Luc et du Canet vous propose, j'ai juste une seule chose à vous dire, profitez-en. Parce que notre seul but, c'est que vous ayez une bonne et parfaite relation avec le Seigneur. Et toutes ces activités, ce sont des moyens pour y parvenir. Alors de ma part, en tant que curé de la paroisse du Luc et du Canet, je vous invite à profiter vraiment de toutes ces activités. Que Dieu vous bénisse vraiment. Venez participer. Vous êtes toujours chez vous, ici dans notre paroisse du Luc et du Canet des Morts. À bientôt. Mais mon cher Raphaël, si jamais quelqu'un arrive dans notre paroisse, se pose des questions, qu'est-ce qu'il peut faire ? Venir au groupe Alpha. Ah, et si un de nos paroissiens ou paroissiennes décide d'approfondir la parole de Dieu, que peut-il faire ? Ben, venir profiter des groupes bibliques. Merveilleux. Mais il y a également quelques propositions spirituelles pour les paroissiens et pour les autres. Et oui, tout à fait. Nous avons la grâce d'avoir la visite dans notre paroisse des reliques du Saint-Curé d'Ars. Une très grande grâce. Et ce sera quand ? Le 14 novembre de cette année. Et donc, il y a également prévu un petit pèlerinage. Oui, tout à fait, nous aurons le pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Ouh, et ce sera quand ? Le 28 octobre. Quelle merveille ! Et bien, plein de propositions pour vous, pour nous. On espère vous voir bien nombreux tous. À très bientôt. J'ai les reliques du Saint-Curé d'Ars. Quelle grâce! Quelle grande grâce! Et ce sera le 17 octobre. Et bien, c'est raté.